Tac. Du coup, faut que je mette des codes de Steam, évidemment. On est bien. Vas-y, allez, j'espère que ça va marcher. Hein? On y croit? Si je fais continuer, ça me ramène où? Ah ouais, caram... Ah, merde. Ok, ça me ramène là. Je vous ai rien spoilé, vous n'avez rien vu. Donc on va refaire une nouvelle partie. Oui, j'écrase la sauvegarde. Ah! Ce dessin d'une sorte de cloche à main, signature du meurtrier dont la police tente encore de déterminer la signification, est au cœur de la panique suscitée par ces meurtres. Le tueur est désormais connu sous le nom de... Les citoyens disposant de renseignements sont invités à contacter la ligne d'information de la ligne de la police. A été retrouvé par la police. Ce dessin d'une cloche... Plusieurs meurtres au cours des dernières semaines. Aucun lien entre les victimes. Vous voulez dire qu'il n'y a aucune piste? Pas la moindre. Quand on a grandi dans la rue, on finit par se croire invincible. Rien ne peut vous atteindre. Vous ne serez jamais perdant. Et un jour, on arrête un type, et on comprend qu'on n'est pas si invincible que ça. Ronan, d'où vient ce prénom? Il est temps de fêter ça. Papa, ça fait mal! Tu tires ma caisse, tu payes le prix. Je vous arrête pour coups et blessures sur vous. Reconnu coupable de deux vols de voiture. Accusé de vol par effraction. Vol qualifié et agression à main armée. Un petit sourire. Ma sœur peut pas épouser un bon à rien. Hein? Je le veux. Oh oui, je le veux. Non, Julia. Reste avec moi, tu m'entends? Julia. Non, m'abandonne pas. Reste avec moi. Ta famille collectionne les délits comme si c'était des timbres. Et tu crois que c'est un signe te rend différent? Saloperie criminelle. Il faut que tu ailles mollo. Ok, ça va te paraître idiot, mais... Si je m'écoutais, je dirais que tu cherches à y laisser ta peau. Retourne-toi. T'es en état d'arrestation. Ah! Pour survivre à ça, reste où t'es, pourriture. J'arrive immédiatement. T'as le droit de garder le silence. Allez. Tout flic que tu jetteras par la fenêtre te retrouvera pour t'en coller une. 60 FPS, ma gueule. C'est vraiment du 60 FPS, j'ai. Oui. Allez. On va se retaper la mamie meurtrière, hein. Cette poignée bouge pas, elle est coincée.
Genre la mamie tranquille, elle voit un cadavre. Non, c'est bon, quoi. Non, non, non. Je vais toucher mon visage. Je suis vivant. Il est pas trop tard. Si j'arrive à revenir dans mon corps, alors peut-être que je me réveillerai. Allez. Et... vas-y, mon gars. Allez. C'est Tetris, mais avec un corps humain. Allez! Allez! Quelqu'un a dû entendre la fenêtre se briser! Non! Allez! Merde! Et les copains, tranquille. Ah, faites la teuf. Jolie cette boule disco. Un peu fléchie, mais tranquille quoi. Hop, bon. Ah bah ça alors. Ronan, j'arrive pas à le croire. J'arrive pas à croire que je t'ai trouvé. Julia, je croyais que je te reverrais jamais. T'es en forme. J'ai connu mieux. Qu'est-ce que tu m'as manqué? Je donnerais n'importe quoi pour être avec toi. Pour qu'on soit à nouveau ensemble, mais... Quoi? Non. Oh non, ça va pas recommencer, pas avec toi. Si t'es pas ici, t'es où? Je suis de l'autre côté du pont. Du pont? Quoi? Quel pont? L'endroit où tu te trouves est une prison. Ou un pont, ça dépend de ton point de vue. Dans tous les cas, c'est un endroit dangereux. Tu m'entends? Il faut qu'on te fasse traverser le pont. Il faut que tu avances. Que j'avance? Et c'est là que tu es? T'en fais pas pour moi. Il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as pas encore fini. On n'a pas beaucoup de temps à réfléchir. Qu'est-ce que tu as laissé en suspens? J'en sais rien. Il faut que tu trouves. Vas-y. Non. Julia, quand je t'ai perdu, ça m'a anéanti. Je t'en prie, me fais pas ça. Nous nous reverrons, mon amour. Il faut que tu te sauves. Non, Julia, non! Me laisse pas, Julia! Et merde! Allô? Un homme vient de se faire descendre dans la rue en face de l'immeuble Rigal. Il perd beaucoup de sang. Faudrait une ambulance. Il ne respire plus. Mon ami dit qu'il ne respire plus. Je ne sens plus son pouls. Et il y a plein d'éclats de verre partout. Et beaucoup oh, de non. sang. C'est pas bon. Oui, je reste en ligne jusqu'à l'arrivée des secours. Et toi? Est-ce que tu m'entends?
Madame, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Hé, toi. Hé, tu m'entends? Reviens. Eh, hey, viens, reviens. Il est encore tiède. Pardon. C'est la première fois que je vois un mort. Bon bah, ouais. Tenez, hop. Faire un truc. Vu que là, ça a l'air de bien marcher. Voilà. Voilà, voilà. Et là, ça marche bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tranquille, pépé. Une seconde. L'ambulance ne va pas tarder, j'espère. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces manants? Rien, chien. Hé hey mec, est-ce que tu m'entends? J'essaie de faire ça. Oh, si je m'y connaissais en secourisme. Hop, hop. Oh bon sang. C'est un flic. Hop. Là. Hop. Je crois qu'on va aller suivre la petite la petiote, hein. Et que, y a que... Allez hop, on court. On court les mecs. Salut salope. Hop. Ah, hop là. Tournicotis, tournicoton. Putain, qu'est-ce qui va pas encore? Bim. Y'a quelqu'un? J'ai l'impression. Et que t'es beau gosse toi. Ah merde. Faisons le jeu un peu sérieusement. J'ai l'impression que... Tono fantôme. Eh, viens là, eh. Petite, eh. Non, viens là, toi. Eh, salope. Je suis l'homme poubelle. Ça va? Un chapeau, je me sens bien. Ok. Je suis caché. Ah non mais ouais. Hey. Hey, pourquoi tu t'es enfui? J'en ai assez d'accueillir tous les nouveaux. Ce n'est pas contre toi. Tu traverses les murs, tu fais apparaître des trucs. On dirait que t'es ici depuis un moment. Tu dois savoir comment ça fonctionne, non? Fonctionne? Oh, tu sais, ça n'est pas si compliqué que ça. Apprends à maîtriser tes talents et peut-être que tu t'en sortiras. Comment s'appelle la petite dans... comment s'appelle la famille Adams, là? Tiens, qu'est-ce que t'entends par talent? Qu'est-ce que t'appelles mes talents? Tes qualités de vivant deviennent plus puissantes quand tu es mort. Elle se transforme en pouvoir. Certains sont uniques, d'autres communs. La possession, influencer les esprits, manipuler les objets les plus fragiles pour les faire apparaître ou disparaître. Les qualités deviennent des pouvoirs. J'imagine trop le pouvoir de Rocco Siffredi, hein. Allez, vas-y, dis-moi. Une porte m'a bloqué le passage alors que j'ai traversé d'autres trucs. Comment ça se fait? Je croyais que je pouvais tout traverser. L'entrée de tous les bâtiments consacrés par les habitants de Salem nous est interdite. Sauf s'il y a une ouverture. Une porte ouverte. Ou une fenêtre. Mais une fois à l'intérieur, plus rien ne peut nous faire obstacle.
Tu reconnaîtras les objets qu'on ne peut pas traverser à leur lumière bleue. Tu t'habitueras très vite, tu verras. Comment je pourrais me trouver prisonnier ici? Vas-y, information. Wouh! Ah ah! Incroyable. Et des indices. Ah mais ouais, mais ce jeu il a plein de défauts, mais putain. Et je le kiffe. Ça fait longtemps que t'es ici, non? Moi? Je suis quelqu'un comme toi. Mais crois-moi, ici ce n'est pas une cour de récréation. Ton destin pourrait bien t'échapper. Ou d'autres pourraient te le voler. Comment je pourrais voler mon propre ami? Désolé, mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Comment mon destin pourrait-il m'échapper? Tu as quelque chose à résoudre ici. Tant que ce ne sera pas fait, tu resteras. Ça arrive souvent, ne t'inquiète pas. Ah ouais? C'est dingue. Ah ouais? Comment ça, d'autres pourraient me voler mon destin? Des démons. Ils étaient comme nous, mais leur âme s'est égarée. Ce ne sont plus que des spectres errants. Et leur seul but désormais, c'est de dévorer les autres. Nos semblables. Je comprends. Évidemment, la cinématique qui coupe le dialogue. Et ouais, ma gueule. Donc, je dois découvrir qui m'a assassiné et l'arrêter. C'est le seul moyen de partir d'ici. Eh bien, bonne chance à toi. Va te faire foutre. Hé, mais attends, il faut que tu m'en dises plus. Vas-y, salope. Fais attention à toi. Qui sait ce qui se cache dans l'ombre? Ta mère, sale pute. Tenez. Bah pendant qu'on y est, je vais vous montrer ce qui se passe quand on entre dans ces machins-là. Attention. Oh mon dieu. W plus tac. Il y a une QTE. Ah ah! Popopo! Non, c'est pas interactif. On peut quand même aller dans pas mal d'endroits, hein. Franchement, je kiffe. Pas mal. Ah, mais ouais, c'est vraiment. C'est un des jeux qui a le plus de défauts au monde. Il est moche, il joue mal, il est un portage PC de merde. Ah mais putain, qu'est-ce que je kiffe ça, moi, de faire ça. C'est bon, je suis un gosse quand je fais ça. C'est pareil pour Borderlands, y a pas grand-chose à faire, l'aspect RPG pas tellement poussé, etc. Mais putain, grands espaces, tirer sur des ennemis, c'est ce qui me fait marrer. Ah moi, je suis un gars très simple dans l'idée. Il me semble qu'il y avait des secrets. Ah, je peux supprimer des trucs. Ouais, ça sert à rien, mais bon. Voilà, là par exemple, encore un défaut du jeu, tu peux faire des trucs comme ça, mais au final ça sert à rien. Hop. Ah ah ah. Donc voilà quoi. Ouais, mais c'est pas pareil parce que voilà quoi. Quand tu vas sur Garry's Mod, tu t'as pas une traînée fantomatique derrière toi. Voilà, ça marche pas, mais t'as saisi l'idée. Moi cher, ouais. Bah, je lui ai payé 30 balles. Ouais, ok, je me suis un peu fait arnaque, mais. Bon. Allez. Non, puis même, je trouve que ça allait bien retranscrit. Même si j'y suis aimé, mais. Voilà, quoi. Oui, je vais aller en ville. Ah, ça aussi. Ah, mais moi aussi, Saphiron, c'est vraiment une. Voir son propre cadavre étendu dans la rue. C'est comme regarder dans un miroir qu'on veut éviter sans pouvoir en détacher les yeux. Et on se rend compte alors qu'on ne sait plus lequel est l'original et lequel est le reflet. Ouais, bonne idée, Baxter. Fais joujou avec les preuves. Quel
con celui-là. Des renforts? Tu me prends pour un bleu? T'aurais jamais dû te prendre pour l'un des nôtres. Mec, sur ce coup, t'as vraiment été débile. Et là, chef. Hey, Baxter, hey, tu te calmes. Tu interroges le témoin. C'est bon. Ouais. Et c'est moi le débile. Ce n'est pas votre scène de crime, lieutenant. Alors, recueillez-vous et partez. Ouais. C'est peut-être pas ma scène, mais c'est mon enquête. Et demain, ça sera mon enquête. Et après-demain aussi. Jusqu'à ce qu'on l'arrête. Mettez-vous bien ça dans le crâne, sergent. Je suis les ordres du capitaine. C'est la procédure quand un membre de la famille... Enfin... Prenez le temps que vous voulez, lieutenant. Je sais plus combien de fois j'ai souhaité que tu meures. Eh, fais-moi plaisir, l'escroc. Dis à Julia qu'elle me manque. Elle le sait, Rex. Elle le sait. Je dois suivre la piste de mon assassin avant qu'elle refroidisse. Démarrons l'enquête. J'ai moyen de lire les notes de Stewart, histoire de voir ce qu'ils ont. Alors, est-ce que vous avez vu l'homme à la capuche? Oui. Je l'ai vu. Il a abattu cet homme en pleine rue. Ça pourrait être intéressant de savoir de quoi il parle. Il faut que je sache s'ils ont trouvé des pistes qui m'auraient échappé. Bon, bah... Les scènes d'indices. Ici mène forcément quelque part. C'est en soi le plus gros point fort du jeu et le plus mauvais. Si vous voulez, parce qu'il suffit de faire ça. Et voilà. Ensuite, il faut faire ça. Voilà. Tac. Là, là, là. Vous comptez bien 7 balles, hein. Donc 7 trous. Peu de monde en a d'autres. Voilà. Voilà. C'est génial. Regardons un petit peu ces machins. Alors oui, les contrôles à souris sont complètement pétés, hein. Faut mieux utiliser les touches du clavier. Donc, pouvoir de fantôme, mon fou prisonnier, je crois. Bah ouais. Ouais, je m'en fous. Hop. Ma mort. Tabassé, jeté par la fenêtre, puis abattu. Ce tueur mystérieux voulait vraiment ma mort. J'y vais à briser et tomber de la fenêtre d'où le tueur m'a jeté. Le tueur m'a tiré dessus plusieurs fois, ouvertement. En pleine rue. Mon flingue, mon arme de secours, pour ce qu'elle m'a été utile. La dernière cigarette, je peux enfin dire que j'ai arrêté. Plus ou moins. Ouais, dans Elle est noire, c'était bien fait ça, ouais. Ouais, donc je voulais revenir à ce que je voulais dire à Saphiron. Oui, moi aussi, je suis extrêmement déçu de ce qu'ils ont fait, parce que ils auraient pu faire tellement plus. Mais bah, hop, la possession. Vous voyez, il y a 4 options. Enfin, 3, quitter l'autre. Mais là, en fait, si c'est pas par rapport à l'histoire, je peux rien faire. Je peux lire dans ses pensées. Ça a pris une drôle de tournure. On est dans une vraie impasse là. Voilà. Je peux relire dans ses pensées. Ils font tout leur possible. Mais ensuite. Ça a pris une drôle de tournure. Salope. On est dans une vraie voilà. Impasse. Bande d'amateurs. Ah, sérieusement. Square Enix, je te honnis. Bon, allez, possédons celui-là. Et voyez, ici, je peux pas espionner, je peux pas lire dans ses pensées, je peux que voir. Voilà. Bon, après, il faut que je choisisse. Mon dieu, faut que je choisisse le truc intéressant. Ça, on s'en fout. Ça, on prend. Ça, on s'en fout. Voilà. C'est exactement ça. C'est... Ah, mon dieu.
Oh là là. Quoi ? Ah ouais, c'est vrai, c'est pas tout de suite. Bon, faut aller les poser de... Alors, je possède qui ? Baxter ou le noir ? Allez les mecs, c'est vous qui choisissez. Enfin, Saphiron, en ce qui concerne les portages PC, EA Games font des mieux quand même. Baxter, ah, c'est... au final, ça change rien, mais bon. Quelle nuit, si. Robinson. Ouais. C'est dingue. Ronan, j'en reviens pas. Je saisis pas, mais qu'est-ce qu'il venait faire ici? Ça fait refroidir. Un témoin a appelé, il avait vu le crieur entrer dans le bâtiment. Ronan y fonce en se foutant des renforts. Tu connais la suite. Le crieur a voulu voir s'il pouvait lui faire pousser des ailes d'ange. Et bam. Ouais. 7 balles dans le buffet. Ouais. À bout portant. Tu sais jamais quand t'arrêter, hein, Baxter? Non, mais t'as vu ses tatouages? Tous ces trucs de gang et de tollard? C'était tout sauf un flic. Ouais, tu vis comme un voleur, tu meurs comme un voleur. C'était un collègue, crétin. Ah. Ouais, merci. J'étais au courant. Hop, on va aller voir monsieur la putain. Voilà. Le meurtrier ne reviendrait pas sur les lieux, si? Je parie que ça a déjà fait le tour des réseaux sociaux. Heureusement que je n'étais pas là quand ça s'est produit. C'est pas croyable. Et pourtant il est là. Juste sous mes yeux. L'autre il aime. Quand je parle de ça, les autres croient que je suis dans un film. Mon dieu. Je peux prendre des photos? C'est légal? Sérieusement. Ouais, c'est vrai. On peut pas partir de l'enquête. Partir. Ouais. Qu'est-ce que je vais aller voir d'autre? Bah monsieur là-bas. Garde ton calme. La police doit garder son calme. Ronan, c'est dingue. Je peux pas regarder. Garde ton calme. Mais non. La police doit garder son calme. J'en reviens pas qu'il y ait un cadavre juste là. Je suis content de pas être flic. Vous voyez, swap color, hein. La dame qu'on a vue, c'est celle-là là-bas. Hein. Pourtant, il y a 20 mètres d'écart. Merci ce jeu. Comment on est censé garder notre calme alors qu'ils ne sont même pas capables de se protéger eux-mêmes? C'est en train de devenir n'importe quoi. Allez, allons voir la mystérieuse madame. Qu'est-ce que je fais dans ce coin minable, moi? Vivement que je sois transféré à Boston. Mais ta gueule. Pourquoi refusent-ils de parler? Un peu de publicité ne leur ferait pas de mal, pourtant. Incroyable. Elle démarre d'un coup, comme une machine. La voix qui colle pas du tout. Mais bon. Je crois qu'il faut aller voir monsieur là-bas. Si je parvenais à la calmer pour qu'elle puisse se rappeler... Ah oui, c'est ça. Voilà. Il faut suggérer pour qu'elle ça se calme, quoi. Et... Je pense que c'est celle-là, en fait, mais... Quoi ? Ah ouais, putain, tu parles de la journaliste. Ah, Yadar. Te plaît, Yadar. Ça te fait un... Putain, je sais plus. Bon, vas-y, au pif. Je crois qu'il faut faire ça. Ah ouais, c'était ça. Oui. Oui, je l'ai vu. L'homme à la capuche. En bas. Il levait la tête. Il regardait en haut, le quatrième étage, je crois. Voilà. Maintenant, je peux aller voir monsieur. On va voir. Et hop. Non, c'est ça. Hey, 6. 6, c'était ça. Putain. Bon, mais en fait, c'était ça. Thank you.
Voilà. Maintenant, je peux terminer l'enquête. Attention, gameplay de ouf. Ici pour une raison. Bien. Mais laquelle ? Faut que je trouve une nouvelle piste. Dans l'appartement du haut, il doit y avoir des preuves. Tu peux. À l'entrée et aller verrouiller. Ah, ça aurait été magnifique, ça, Yadar. Ok, profitons-en. Ah ah ! Casse-lire au Stewart à l'intérieur. Eh, vas-y, tu baises. Pardon. Mais est-ce que je vais devoir attendre que quelqu'un m'ouvre à chaque fois ? Ouais. Il est difficile d'entrer dans un bâtiment consacré. Mais une fois à l'intérieur, c'est du gâteau. Pareil pour en sortir. Il suffit de trouver une fenêtre ou une porte ouverte. Un jeu d'enfant. Ouais, c'est cool. Il y en a beaucoup des comme ça ? Par ici ? Oh que oui. Et pas qu'un peu. Vous vous habituerez. Merci. Personnellement, je serais pas contre un murderhead sous le suspect 2 si le jeu est mieux fait. Honnêtement, là, franchement, je le donne si on m'assure qu'il est mieux. Sergent, RAS, retournez sur les lieux du crime. Bien reçu. Ah, ça, c'est faux, Fox. Ça, c'est faux. T'as de belles dents, tu sais. Ah non. C'est quoi ? Absolument pas, Warren. Je me disais bien aussi. Vas-y, d'où tu me tutoies, toi. Vas-y, d'où tu me connais, enfoiré. Moi, je te ken. Alors, oui. Allez, voilà. Donc évidemment on peut pas sauter hein, sinon... hein. Ah merde, mais tu veux que je fasse une deuxième crise cardiaque ? Non, je voulais... C'était pas sérieux, voyons. Allez, fais pas cette tête. Balade-toi, je sais pas, moi, tu peux fouiner un peu. Personne va t'en empêcher, tu sais. Après voilà, dans le jeu, le seul truc qu'ils ont bien, à peu près bien réussi à faire... Et que tu vas faire ta maligne. Toujours le nez à la fenêtre, à fourrer ton nez dans les affaires des autres. Moi, il est choquant. Et ça va me donner des cauchemars. Je crois qu'on a assez de cauchemars pour un bon bout de temps, tu vois. Ne me parle pas de ça. Je t'interdis de me parler de ça. Parfaitement. Moi, j'essaie de regarder mon émission, tu vois. Nos deux corps fusionnent. Nous allons devenir des mégazords. Ouais, je disais... Le seul truc qui est bien un peu dans le jeu, en fait, c'est l'ambiance. Moi, je la trouve... elle colle vachement bien, quoi. C'est Salem, c'est glauque. Les histoires sont toutes un petit peu... Bon, parfois, elles font un peu téléphoner, mais... tiens, je peux pas encore popper les gaz, c'est dommage. Ah, j'ai des poils. Ah, on peut toujours pas... Vas-y, je vais le posséder, lui. On voit mieux ce qui se passe à la télé. Bah oui, c'est sûr. Regardez par la fenêtre. Mais quel intérêt. Peut-être que si je ne lui apportais plus à grignoter, il se demanderait où je suis passé. Non, mais regardez-moi ce minable. Il ne bougerait pas de ce fauteuil, non. Il l'aime plus que moi. C'est bon qu'on voit ta gueule. Alors, ensuite, oula, ah oui, les petites apparitions, je kiffe ça aussi, bon, mais c'est moi ça. Putain, mais merde. Chérie, ah. Je suis sûr qu'ils peuvent t'entendre là-haut. Ah. À chaque fois qu'on vient voir Jennifer dans ce trou... Bien que la police ne se soit pas officiellement prononcée sur l'existence d'un tueur en série, et en raison d'une succession récente de décès, elle conseille aux résidents de ne pas quitter leur domicile la nuit et de verrouiller leurs portes. Toujours le même manège. Eh ouais, il y a des trucs à récupérer.
Gameplay absent, forcément. C'est ça. Logique. Ah oui, c'est là. C'est là où il y a la fantôme. Eh, vas-y, t'es bonne, toi. Je comprends rien. Si je le retrouvais, je comprendrais ce qui s'est passé. J'ai l'air perdu. C'est pas moi. C'est mon corps qui est perdu. J'ai été assassiné ici, et je sais que ça semble idiot, mais j'aimerais bien savoir où se trouve mon corps. Vous êtes un genre d'inspecteur, non? Vous pourriez être mon seul espoir. Je suis de la police, oui. T'as une idée de qui a fait ça? Ça serait un début. Je me souviens qu'ils étaient vieux. Et je sais qu'ils vivaient dans cet immeuble. Mais à part ça, c'est le flou total. C'est vrai que je me droguais pas mal à l'époque. En effet, une enquête s'impose. Je vais essayer de récolter des infos auprès des résidents les plus âgés. Bon, ouais, je vais essayer de récupérer tous les objets. De toute façon, pire, il n'y a que ça à foutre dans le jeu, donc... Voilà, il y a 13 000 objets à récupérer, magnifique. Merde. Voilà. Moi, je sais déjà qui l'a assassiné, hein, mais... Ah, si, voilà, on peut faire ça. Bingo. Mais... Hop. C'est un fantôme, hein, il transporte des... dans ses poches. T'es pas où les gosses Ah voilà. Ici Monica Chase à Give me that. La petite ville dans la plus grande panique. Cette ville historique. Oh mon dieu. Les vieux font du jardinage à cette heure-ci. Alors oui, on peut faire apparaître des objets anciens qui nous permettront de résoudre les enquêtes. Alors, est-ce que je peux pas le... Non, toujours. Eh ouais, on peut poltergeister les objets et ça ne servira qu'une seule fois au cours de l'aventure. Le reste du temps, les mecs ne réagiront pas du tout. Mais alors, pas du tout. Encore une fois, ils sont passés à côté d'une mine de gameplay. Ah, je... Franchement, je suis... N'achetez pas ce jeu. Voilà. C'est tout simple. Je crois que j'ai suffisamment de trucs. Hop. Terminal. Ah, fait chier. Merde. Bon, celle-là. Putain. Peut-être que si je ne lui apportais plus à grignoter, il se demanderait où je suis passé. Fox. Pas de ça. Putain. Pas de ça alors. C'était ça. Enfin un peu de calme. Ces soirées interminables. Comment voulez-vous qu'on dorme avec la musique à fond? Je crois bien qu'elle se droguait. Quand Walter l'a conduite à la carrière de Smithwick, il avait du mal à garder les yeux ouverts, tellement il était fatigué. Malgré l'heure, il a réussi à mettre la main sur des tenailles. Et maintenant, plus de musique. On peut enfin dormir. Mais carrément, on dort. C'est en partie pour ça que je l'avais acheté au départ. Ah oui, d'ailleurs aussi. Vous voyez, il y a des ratings. Enfin, il y a un score à côté. Eh ben, si tu te foires, ça y a pas de rien quoi. Ah, je voudrais que j'arrête de. Il faut la carrière this week. Ah mais. Encore ça. Hein. Et non, c'était ça. Cette fille s'est écroulée comme une masse quand Grace l'a frappée. J'arrive pas à croire qu'elle est morte. Tout a été si vite. J'avais jamais vu Grace aussi furax. La fatigue sûrement. C'est fini, Dieu merci. Je peux enfin mater la télé tranquille. Ouais, mais ce serait tellement le pied. Bon, hop. On peut... Ah non, il reste une. Ouais, la dernière. C'est ça.
Voilà. Voilà, voilà. Mais non, non, c'est le... Ah, vous voilà. Alors, il faut... tac. Oh, tac. Voilà. Et il faut prendre ça, je crois. Et merde. Ah, mais non. Voilà. Donc Grace ne pouvait plus supporter les fêtes de la jeune fille. Elle l'a tuée et a envoyé son mari se débarrasser du corps à la carrière de Smith Wake. J'ai plus qu'à aller lui dire. Eh ouais, ma gueule, c'est comme ça, Salem. Mais vous voyez, là aussi, il y a eu un truc bizarre. Enfin, moi, je trouve ça aberrant. Tu récoltes plein d'indices qui servent à rien. En gros, tu peux directement aller voir les vieux. C'est naze. Enfin, voilà, quoi. Si tu trouves pas ton corps, c'est parce qu'il est pas ici. Il est enterré dans la carrière de Smith Wake à environ 10 km d'ici. Oh. Pourquoi ils ont fait ça? Tes soirées les empêchaient complètement de dormir. C'est la fatigue qui les a rendus fous. Je pensais qu'ils exagéraient, en fait. Je n'aurais jamais cru qu'ils en arriveraient là. Merci pour votre aide. Vous n'imaginez pas à quel point je suis soulagée de comprendre. À ton service. Vous savez, je n'ai jamais été fan de la police. Ils passaient leur temps à m'engueuler, à me rabâcher que je gâchais ma vie. On ne s'est jamais très bien compris. Mais vous m'avez fait réfléchir. J'aurais sûrement dû les écouter. Peut-être que les choses auraient pris une tournure différente. Merci infiniment. Hey Mayhem. Gus a besoin de plus d'amis. De quelqu'un qui puisse l'écouter aller. Ah non, mais ouais, elle est... J'espère qu'il ne va rien me demander. Il se rendrait compte que je ne l'écoute plus. Vivement que Jennifer s'en aille de ce taudis. Ma petite fille mérite bien un jardin. Où est-ce qu'elle joue? Dans la rue? Ici. Ah, on peut pas. Oui, voilà. En fait, les trucs consacrés, c'est des murs invisibles, mais visibles. Et c'est relou. C'est relou, c'est vraiment relou. Ça empêche pas d'aimer le jeu, hein, mais voilà, quoi. Bon, allez, on passe au deuxième étage. J'ai toujours demandé comment ils faisaient pour pas traverser. Imagine des escaliers pas consacrés. Salut la pute. Hey, mais comment c'est réapparu? J'ai fait quoi? Dans la gueule. Hey, reviens! C'est une note. Ne te regarde pas. À te faire. Oh merde. Génial. On dirait... une sorte de code, un truc dans le genre. Ouais, je devrais peut-être jeter un œil au quatrième avant que la police emporte les preuves. Ouais, ouais. C'est quand même un petit peu. Il me semble que je peux lire les notes, non? Pardon. Alors, ici c'est pour redescendre. Ici c'est moins bizarre. Ah. J'aimerais bien, pour une fois, avoir une conversation avec un adulte sans être interrompu. Ta gueule. Elle mange peut-être trop de sucreries. Ça empêche de dormir, non? Ah ah, sa fille l'empêche de dormir. Vas-y, je peux pas le target là, il y a un truc. Ah, je crois qu'il y a un viol en cours. Et la ville sombre.
Mais véritablement, le seul truc qui m'a fait avancer dans le jeu, c'est l'ambiance. Hop, je traverse la petite fille. Et j'ai eu beau essayer de voir quelque chose, j'y arrivais à rien. Là, regardez, on voit pas la petite fille là. Que dalle. Salut, vieux pervers. Vas-y. Qu'est-ce que tu fabriques dans un placard? Comment un monstre comme toi se retrouve dans le placard d'une gamine? Son père s'était attiré des ennuis. On m'a envoyé régler l'affaire. C'était simple. Je devais choper la fille, balancer des menaces, prendre l'argent et la relâcher. Et ça a mal tourné? Son père a voulu jouer les héros et s'est interposé. On dirait qu'il a gagné. C'est ça qui l'a tué, si tu veux savoir. Si c'est toi qui l'as eu, alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Les gens pour qui je bossais ne donnent jamais de deuxième chance. Mais je crois que je vais en avoir une quand même. Il suffit d'attendre. Tout le monde finit par mourir. Même les petites filles. Du temps, c'est vraiment pas ce qui me manque. Vraiment un boulot de pédophile, ça, fantôme, hein. Bon, le fantôme noir. Ah oui, oh non. Pour que la fortune vous sourie. Attention. La chance n'a rien à voir là-dedans, Evrine. Que tu crois, mon beau. Et tu ferais bien de t'en souvenir quand tu compteras des points en pleurant. Bah, il y a toujours une petite part de chance. Tu peux peut-être nous apprendre des trucs, hein. Après, je ne pourrai plus te piquer ton argent de poche, mon beau. Allez, messieurs, on remonte ses jupes. Et toi, Nate, balance tes jetons. Je suis même pas sûr que dans la VO. Putain, mais ta gueule! Je l'ai plein. Je me souviens de quand je croyais encore que le poker était un jeu de hasard. Putain! C'est quand même pas sorcier. Soit tu mises. Vas-y, elle a quoi celle-là? Ces types sont vraiment des pigeons. Alors, elle a quoi là? Ta petite paire fasse une quinte. Alors, 2, 3, 5, 6 et 1 valet. Ça, ouais, donc elle a rien du tout. Vas-y, qu'on meurt tous de vieillesse. Vas-y, monte tes cartes. Il a une paix. Non, il a un brelan. Je crois qu'il a trois cartes. Lâchez-moi, ça... J'aimerais bien la laisser gagner. Mais de toute façon, elle va gagner. Je ne sais jamais si elle m'aime bien ou si elle est juste gentille. Garde ta gueule aussi. Hein. Et lui, il a. KKQ. K2, il a une paire. Quelques bonnes cartes en plus seraient pas du luxe. Garde ton sang-froid. Au prochain tour, tu la mets à genoux. Ah oui, au prochain tour, tu la mets à genoux. Ah oui. Tes cartes vont finir par se décomposer dans ta main. Cette VF de l'angoisse. Ah, cette VF de l'angoisse, mon dieu. Est-ce qu'il y a des... Non. Alors là, il n'y a rien. Il me semble qu'il n'y a pas d'objet à récupérer là-dedans. Hein. Dites si j'ai des conneries. Nous venons d'apprendre la mort d'un inspecteur. Bon, allez, on va friter. Au moins, ces trucs-là, ils sont plutôt réussis. Hein, niveau de design, je trouve, personnellement. Au moins, ils me font un peu flipper. Ils sont ridicules, mais bon. Je crois qu'il y a un QTE là. Oh shit, man. Un démon. Allez. Ah. Tac, tac. Et là, il me trouve pas. Ouais, il y a pas mal de fantômes, ouais. Au revoir, saloperie. Mon dieu. Ah, je vois.
Il me semble que je peux aller le buter direct là. On va tester. This is a hype rune. Yo. W. Hop. Et voilà. Et il s'est téléporté l'autre. Hein. D'ailleurs, la téléportation. Alors, je vais vous expliquer. Ouais. On va continuer jusqu'à 17h50. Ensuite, je vais passer un peu de musique. Enfin, je vais vous passer le trailer du jeu. Enfin, l'un des premiers trailers du jeu. Vous allez voir que. Voilà. Hein. Je vais pas faire de commentaires pour l'instant. Oh oh. Ah ah. Y'a des connards. Salut ma gueule. Hop. Allez, on court. Et ah merde, je me suis foiré. Ah. Tu sais pas dans lequel je suis. Non. Je suis dans celui-là. Non mais cherche pas mec, tu m'auras pas. Broup. Et l'autre il m'a pas vu. Salut. Voilà, voilà. C'est amusant. Ah, un objet. Liliane et Liliane. Ah, ok. Ah oui, on a aussi les états d'âme de Madame Julia. Qui est pas mal gratinée aussi. Ah, enfin, on peut Poltergeist. Wouh! Dieu, il y a quelqu'un là-bas. Dante de The Heavenly Cry. Putain, t'es con. Ah ah! C'est Claude François! On applaudit tous Claude François! Ah, j'ai pas de Claude François sur ce PC. Électrocution, le rasoir? Alors, t'as choisi quoi? Électrocution ou le coup de rasoir? Le rasoir. Ça aurait dû se limiter au rasoir. C'est ce que les voix m'ont dit. Je n'avais qu'à me laisser porter par la musique pendant que je me vidais de mon sang. Alors, la radio, c'était juste un accident? J'ai commencé à me couper. L'eau avait rendu ma peau si tendre. Mais je n'ai pas pu aller au bout. La radio a glissé au moment où j'essayais de sortir. Je ne voulais pas mourir. C'était les voix dans ma tête qui m'avaient demandé. Je suis désolé. Au soleil, quelque chose on n'en aura jamais. Chut. Ouais, pareil. Vous entendez. Là, 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 là. Alors lui, c'est sûr, il reverra plus jamais le lundi. Hein, mais... Vas-y, je peux pas faire genre que. Non, je... bon. Non, vas-y, eux, je peux rien faire avec eux. Hein. Genre le mec il lit, il pense plus. Je peux même pas voir ce qu'il lit quoi. Dommage. Ah non, je veux pas y aller direct. Vas-y, regarde. Hop. J'encule ta femme. T'es content j'espère. Hop. Directement dans l'utérus. Hop. bon, je vais arrêter avec ça moi. Ah ouais, la surprise partie. Qu'est-ce que tu dis? On a des bières, on a la télé, qu'est-ce qu'il te faut? Bah voyons. Une fête, par exemple. Là, on pourrait aller à Boston. Aller à Boston? Eh ben, c'est... Pourquoi pas? Mais... Niveau organisation, comment est-ce que... Comment on ferait? On prendrait ta caisse? Ah ouais, t'as pas tort.
Le parking, le trajet, l'essence et tout le reste. Carrément galère, quoi. Limite trop, même. Stéréo. C'est le prix de l'essence en ce moment. Ouais, c'est n'importe quoi. Au moins, rester ici, c'est gratuit. C'est pas faux. C'est pas faux du tout. Quel intérêt de faire une fête s'il faut tout préparer? C'est comme, genre, du travail. Il pourrait pas nous arriver une aventure à l'intérieur? Vas-y, attends. Je vais essayer de faire un truc pour toi. Non, même pas une petite réaction. Ça m'irait très bien de regarder un film, en fait. C'est ma fête. Pourquoi il faut que je prépare tout? Ou alors lui, le désespéré de la ville. Il est de la mort. Hey, c'est toi! T'es une célébrité! Vise un peu la télé! Ça va, merci. Tu devrais regarder! C'est fou! Bon. Ensuite. Oh, il y a un truc dans cette pièce. Pas sûr. Un de ces quatre, va y avoir un mec qui va se pencher pour faire un mort. Ouais, mais non, mais même Saffiron, je te dis, ils ont foiré leur jeu, mais puissance 1000. Je te dis, la seule chose qui m'a fait continuer le jeu, c'est l'ambiance. Et encore, elle est pas tip-top, quoi. Mais bon, c'est juste que moi, je kiffe faire ça, donc voilà. Faut pas trop se leurrer. N'achetez pas le jeu, tout simplement. Ou alors, achetez-le, mais en masse, quoi. Il faut dire à Square Enix, j'en veux un, mais un vrai, quoi. Ouais, enfin, faut que ça y est, c'est vite fait. Hein. Honnêtement, non, je suis pas dans le droit. Honnêtement, c'est vraiment vite fait et très naze. Là, je crois. Ici y a rien, bon. Allez. Vas-y. Ok tout le monde, je vais vous demander de vous éloigner de la scène du crime. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Je crains que l'enquête soit toujours en cours. Pas, c'est par là. Un gars s'est fait jeter par la fenêtre. On n'en sait pas plus pour le moment. Jeté par la fenêtre? Par qui? Ouais, qui a fait ça? Pardon, je le répète. Dégageurde. L'immeuble est sécurisé? Ouais, l'immeuble est sécurisé. En tout cas, le tueur n'est plus ici. Non, ils ont pas encore arrêté le type. Mais en tout cas, ils sont presque sûrs qu'il est plus... 30 minutes ? Ah mais t'es... La ferme. Quand même. Ouais, ça m'a pris 5 minutes parce que bon... Elle était simple quand même. Madame, la police de Salem va élucider cette affaire. Je n'ai pas envie d'être seule dehors. Ouais, je m'en fous. Il faudrait que je reste avec ce groupe quand je partirai. Il croit quoi ? Qu'on va avoir peur du tueur ? Je suis déjà paniquée. Non mais attends, pourquoi ils veulent rien nous dire? C'est que t'es... Simplement que vous circuliez pour nous laisser faire notre travail. T'as des polygones sur la tête. c'est un compliment ça, non? Oh, c'est pas vrai. Y'a aucune question qui me vient là. Ah oui, quand même. Pourquoi il répond pas à Jill? Ces questions sont pas bêtes. Pourquoi tout le monde veut les détails sordides? C'est pas une fête, c'est une enquête sur un meurtre. Bon sang, mais dis-leur ce qui s'est passé, ils le sauront bien assez tôt. Ce serait bien si Scott pouvait se détendre. Ah, un objet. Parfait. Ah oui, il m'en faut deux de plus. Je sais pas où ils sont. T'aurais pas vu la fille qui habite ici? Si tu la vois, tu viens me prévenir, ok? Baxter cherchant la jeune fille. Bon sang. C'est ma mère qui m'avait donné ce flingue. Même. Attends, qu'est-ce que le tueur était venu faire ici?
Qu'est-ce que j'ai loupé? Ok. Les mecs sur Twitch, enfin sur le chat de Twitch, on est sur lamegaforge.fr. Il y a un chat plutôt actif qui est sympa, on boit des bières et tout, c'est cool. Mon dieu, j'étais cherché à quelque chose. T'es déterminé. Ouh. Ensuite, voilà. Je crois qu'il y en a deux chaudières ici. Je pourrais pas vous montrer l'explosion. Oh oh. Mm-hmm. Elle se cache. Elle est effrayée. Elle observe. Heureusement, j'étais là. Ensuite. Alors ici, il y a un indice que j'avais mis 30 ans à découvrir, je sais plus c'était lequel. J'ai passé la maison Paint fin, je me suis senti con quand je l'ai trouvé. Je dois récolter un maximum d'indices avant de partir d'ici. Combat fatidique. Hein? Normalement, rien. Qui? Donne-moi lundi. Et on va y arriver. Brisé. Oh. Merde. Bam. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer. Le tueur reste une énigme pour la police et une ombre qui plane sur ma vie. Si seulement je pouvais protéger Joy de tout ça, je serais prête à tout. Je serais prête à l'abandonner pour qu'il ne lui arrive rien. Incroyable. Eh ouais, la police et l'enquête avec des agents du supernaturel. Diom. Par là, je crois. Non, pas par là. Je crois qu'il faut aller voir. Merde, il faut qu'on trouve ses locataires. Si elles sont encore en vie. Merde, il faut qu'on trouve ses locataires. Ouais. Si elles sont encore en vie. Lui, il a qu'une seule ligne de dialogue. Hop. Ok. Alors, j'ai 7 sur 14 indices. Le bagage, ouais, ça. Les bagages. Oui. Sauf que non. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois qu'il y avait ça, oui. Les seins d'enfant.
Ensuite par ici, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Le tueur, là. Un truc. Avec le tueur, là. Parapluie. Si je le fais posséder... Il semble qu'il reste un indice. Pas le vert. Ah, voilà. Elle, elle se casse, on a vu. On est d'accord. Y a rien dans la penderie. On voit un magnifique caleçon ici. Je crois que je peux d'ores et déjà trouver une réponse. Hop. Voilà. Pourquoi le tueur était ici? Alors, tueur inquisiteur. Et mademoiselle. Voilà. Et ça, y a rien qui te l'indique qu'ils veulent le faire, hein. Rien du tout. Retourne-toi. T'en es à l'arrestation. C'est ça que j'ai interrompu. Il cherchait la fille. Où est-elle passée? Oh oh oh. Faut la revoir, monsieur. Il faut suggérer. Il faut suggérer ceci, je crois. Non. Ouais. Faut suggérer quoi? On l'incite à déplacer le dossier. Ouais, non, c'est ça. Bon, alors ça va être ça alors. Bon, là ça vous montre bien qu'il y a aucune... Comment dire? Comment se cachant? Je vais trouver, hein, je vais trouver. Sac de voyage, ça va être ça. Merde! Les dessins? Merde, il faut qu'on trouve ses locataires, si elles sont encore en vie. Non, c'est pas les dessins. On va trouver, on va trouver. Ça. Bon bah visiblement ça va être l'indice que j'ai pas trouvé. Absolument aucun mon gars. Voilà, c'était ça. On va aller regarder le dossier pour qu'il t'indique de... Allez. Je dois apporter cette photo à Rex pour l'alerte Amber.
Allez, on examine. Hop, le par. Mon père, vous avez un endroit où je pourrais habiter un petit moment? Bien sûr, mon enfant, l'église est toujours prête à aider. Et voilà. On a les 14 indices. On peut terminer l'enquête. Là-bas en pleine rue, et tu vérifies même pas s'il y a des témoins. Tu te crois intouchable? Cette fille est ma seule piste. Je dois la retrouver. On dirait moi avec The Sun, tiens. Et voilà. Je sais que je peux plus mourir, mais j'ai toujours peur du vide. Et voilà. Et voilà, voilà. Ah mais attends du coup. Ah si, je peux y aller. Ouais, je cherche. Je vais pas continuer là maintenant, je vais juste chercher C'est que toi. Je me disais bien aussi. D'accord. T'attends qui, connard? Vas-y, parle-moi, bâtard. Vas-y, mais ignore pas là. Hey. Ah merde, mais tu veux que je fasse une deuxième crise cardiaque? Ouais. Ok, d'accord. C'est exactement le même truc. Oh, si... Ah bah non, attends. Si, ouais, il est par là. Voilà. Ah non. Par là. Le dernier, en fait... réchaud, là. Il est où? J'ai oublié. Tu le sais, tu me le dis. Chérie, je suis sûr qu'ils peuvent t'entendre là-haut. J'ai pas vu ça, non. Super bien. À chaque fois qu'on vient voir Jennifer Frost, je suis sûr que t'as vu tout ça. Tu fais le poltergeist. Et que tu vas faire ta manie. Toujours le nez à la fenêtre. Et que dalle, encore une fois. Dans la chambre des vieux. Chambre des vieux. Interdit de me parler de ça. Bah parfaitement. Moi j'essaie de regarder mon émission. Ouais. Ouais bah ouais, il y est pas, ouais je l'ai eu. Ce que je viens de faire, sa fille. Regarde, ça lui fait rien. Ouais, par contre, la caméra elle est un peu à chier. Ouais. Bah, faut pas se mentir. Bon, si elle est pas au premier, c'est qu'elle doit être au deuxième ou je sais pas quoi. Heureusement qu'on peut revenir dans les zones en arrière. Voilà. Oh. Hey, ils sont plus là. Ah non, ouais. Très bien, messieurs, faites vos jeux. Nous apprendre des trucs.
Ah bah là, là voilà, c'est bon. J'ai eu... Allez, je vous montre ça. Je me rappelle encore du jour où j'ai vu l'annonce pour l'immeuble Régal dans le journal. La plupart des gens y voient tout de suite un trou à rats minable et décrépit, mais pas moi. Moi, j'y voyais un endroit plein de charme, de caractère, une source d'inspiration artistique. Avant même d'avoir eu le temps de comprendre, j'étais l'heureux locataire de l'appartement 3A. Et avec le recul, je me dis que je n'aurais jamais dû déballer mes cartons. Mon nouvel appartement s'est avéré avoir beaucoup plus de caractère que je ne l'espérais. La moquette était gorgée d'humidité, la plomberie complètement rouillée, sans parler du voisin du dessous et de sa manie de taper contre les murs en hurlant. L'appartement avait un tas d'autres défauts, mais rien que je ne puisse supporter. En revanche, l'eau couleur rouille qui coulait de la douche, la moquette inondée par des fuites mystérieuses, le voisin détestable, c'était trop. J'ai finalement décidé de faire venir un plombier, qui arriva au moment où j'allais descendre parler au voisin. Quand je lui ai montré les taches sur la moquette, il m'a lancé un regard ahuri en m'annonçant qu'il ne voyait aucune fuite et que c'était moi qui avais dû renverser quelque chose sans m'en apercevoir. Me prenait-il pour un imbécile ? Je n'avais rien renversé du tout. Il a haussé les épaules, s'est excusé et m'a dit qu'il ne pouvait rien pour moi. Je lui ai indiqué la salle de bain. Heureusement, l'eau était toujours aussi brune, ce qui, selon lui, pouvait être causé par un chauffe-eau rouillé, sur quoi il est parti inspecter la chose. J'en ai profité pour aller rendre visite au locataire du dessous. J'ai frappé à la porte, mais personne n'est venu m'ouvrir. J'ai tourné la poignée, m'attendant à ce que la porte soit verrouillée, mais elle s'est ouverte sans problème. La pièce était totalement vide. Seul un bruit de pas mouillé venait troubler le silence. Pourtant, je ne voyais personne. J'ai baissé les yeux vers le sol, des empreintes de pas humides apparaissaient, des traces qui se dirigeaient vers moi. À ce moment précis, le plombier a poussé un hurlement. Je me suis précipité en bas. Le plombier n'était déjà plus là, mais il avait découvert l'origine de la couleur de l'eau. Ne sachant pas ce qui avait bien pu le terrifier, j'ai regardé dans le chauffe-eau encore ouvert. Replié tout au fond du réservoir, croupissait un cadavre boursouflé. L'affaire concernant le meurtre suit son cours, et le propriétaire a promis de rénover la chaufferie. Qu'importe, l'appartement 3A est de nouveau alloué. Quant à moi, je ne sais pas si je me sentirai à nouveau propre un jour. Ouais, c'est vrai que par rapport à ce du jeu, un petit peu quand même... Barda. Bon, je vais retourner dans la rue histoire que ça sauvegarde. Une sauvegarde à la... Ah oui, quoi. Non. Heureusement, il y a une animation de descente d'escalier, quoi. Tu vois qu'ils ont essayé de faire des trucs. Mais ça a pas su. Ah. Allez. Franchement, un speedrun de jeu, pourquoi pas. Ah, je dis ça, ouais. Donc, ouais. Je vais quitter le jeu là. Je vais vous passer le trailer que j'avais envie de vous montrer, qui montrait quelques trucs un peu intéressants. Je vais passer de la musique et vers 18h05-10, on repart avec Lost Planet Extreme Condition. Allez, à tout de suite. Peggy.
18. Detectives aren't spo- supposed to get bloody knuckles. But I've done a lot of things I wasn't supposed to do. I lived through it all. Beatdowns, the backstabbing, disrespect most people wouldn't see in 10 lifetimes. And I never lost a fight. Until now. Hey man, what are you doing? Hey! Move away from the body now! The fuck is this? Hey, did you hear me? Michael! Hey! No! 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 Bon, voilà, hein, vous voyez ce que je voulais dire. Dans le trailer, déjà, bon, c'est bien plus beau. Voilà. Merde, non. Ah. Dans le trailer, évidemment, c'était une cinématique extrêmement belle. Pourquoi ils l'ont pas mis dans le jeu, je ne sais pas. Déjà, ensuite, pourquoi ils nous ont pas filé l'option de nous téléporter? Parce qu'ils téléportent, hein, directement dès le début. Parce que pour se téléporter, il faut attendre 1h30, quoi. Qu'est-ce que je raconte? Faut attendre 7 heures 7 heures de jeu avant de pouvoir se téléporter. Et la téléportation, putain... Ouais, Transistor, j'adore, je kiffe ce jeu. La téléportation, c'est vraiment super sympa, quoi. Mais tu l'as pendant quoi Tu l'as à la fin du jeu. Elle sert à rien à la fin du jeu, quoi. C'est vraiment super dommage. On aurait pu avoir tellement de choses avec la téléportation. Tous les pouvoirs des fantômes et tout. Et là, on a Ellie Noire en moins bien. Déjà qu'Ellie Noire de base, c'est pas top. Bah ouais, j'ai fini le jeu en 9h, mec. Donc ouais, à peu près, ouais, à l'air à 8h. Tu l'as après 8h de jeu, quoi, je sais pas. Ah, c'est comme ça que je m'en souviens, Fox, en tout cas, hein. Enfin, voilà, après ce trailer, putain, ouais, c'était génial, quoi. Tu t'allais pouvoir incarner un fantôme, t'allais résoudre ton propre meurtre et tout. Ça avait l'air super cool. Et puis non, en fait. Donc voilà. Voilà, moi, j'adore, je kiffe ce jeu, parce que voilà. Mais... Parce que j'adore, je kiffe ce jeu, c'est tout. Ça résonne, ça a bien résonné avec moi, quoi. Je comprends qu'on puisse le détester, il est vachement naze, quoi. Vraiment naze, hein. Je l'admets, il a énormément de défauts, il est moche comme un pou. Le portage est quand même assez naze, hein, faut le dire. Donc voilà. Alors ouais, je l'ai préco. Honnêtement, j'aurais peut-être pas dû. Donc voilà. Voilà, donc je vous laisse avec un peu de musique. Je sais pas quoi, je vais essayer de... Bah tiens, hop. Je vais vous mettre la soundtrack de Mad World, elle est très bien. Allez, à dans quelques minutes.
y'all ready to live, live. Y'all ready to, come on, yeah. Let's go, y'all. Let's go, let's go, y'all. Y'all ready to move, if y'all ready to fool, if y'all ready to win, if y'all ready to lose. Let's go, y'all. Let's go, let's go, let's go, y'all. The dude's back live, the killer with his squad, so the movement back, maybe the music back. And you got a courtside seat to get it straight from the source. Now, how cool is that? So you can hate him, but the truth is that you fucking with the best, and we coming with the new shit, black cheer. I need to know how y'all feeling. I need to know if y'all willing to raise it up to the ceiling and get it going. We gotta get it up. Let's go, y'all. Let's go, let's go, let's go, y'all. Y'all ready to ride? Y'all ready to fly? Y'all ready to live, y'all ready to, come on, yeah. Let's go, y'all, let's go, let's go, let's go, y'all. Y'all ready to move, if y'all ready to fool, if y'all ready to win, if y'all ready to lose. Let's go, y'all, let's go, let's go, let's go, y'all. Yeah, the mission is to kill a man, for the love, respect, then the dividends, for the squad, the game, man, the Benjamins, for the solo art, and to get it in, and believe, I gotta get it in, that's why I'm out on the push with no limit, man, that's why I'm out on the move with no gimmick, man, that's why I'm down to stop, can't quit it, man, I'm strung out on the shit, I can't kick it, man, I mean, for real, dog, I can't quit, man. Let's go, y'all, let's go, let's go, let's go, y'all. Y'all ready to ride, y'all ready to fly, y'all ready to live. Y'all ready to, come on, yeah. Let's go, y'all. Let's go, let's go, let's go, y'all. Y'all ready to move, if y'all ready to fool, if y'all ready to win, if y'all ready to lose. Let's go, y'all. Let's go, let's go, let's go, y'all. Dude's back live, the killer with a squad, so the movement back, maybe the music back. And you got a courtside seat to get it straight from the source. Now, how cool is that? So you can hate him, but the truth is that you fucking with the best, and we coming with the new shit, black cheer. I need to know how y'all feeling. I need to know if y'all willing to raise it up to the ceiling and get it going. We gotta get it up. Let's go, y'all. Let's go, let's go, let's go, y'all. Y'all ready to live? Y'all ready to die? We gotta get it up. Let's go, yo. Tell me, do you wanna ride tonight? Then tell me, do you wanna die tonight? This is my sin, my invite. Let's burn it up and watch the sky ignite. It won't hurt just to try it right. Yeah, maybe you're right, it might. Downtown where the crime is right, the time is right to bust this dynamite. Oh, when you come to harder, you fall. So come harder, don't come at all. I leave you, so I'll leave you all. Leave you in pieces 3 feet tall. Let's go, we can have it all. Yeah, baby, we can have it all. Starts flowing and the parts start flying and your heart starts going. Come with it, bitch, come with it, bitch. Take your best shot and try to finish it. Don't blow it, cause I will kill you before you know it. Come with it, bitch, come with it, bitch. Take your best shot and try to finish it. Don't blow it, cause I will kill you before you know it. Where you gonna go, where you gonna turn? When you gonna break, when you gonna learn? It ain't nothing, I can shake and squirm until your face to fillet that the pavement burns. Churn the ash, grab the urn and crack your head up on that curb. Oh, it hurts, oh, it pains. Oh, it squirts, oh, it rains. I will kill you and spill you, yeah, there'll be blood all on the streets. I will stomp you and tromp you, yeah, there'll be blood all on these cleats. And before you realize what the hell I've been doing, you'll be falling from the skies down to hell and the ruins. Let's go. Come with it, bitch, come with it, bitch. Take your best shot and try to finish it. Don't blow it, cause I will kill you before you know it. Come with it, bitch, come with it, bitch. Take your best shot and try to finish it. Don't blow it, cause I will kill you before you know it. Tell me, tonight, then tell me, do you wanna die tonight? This is my city, my invite. Let's burn it up and watch the sky ignite. It won't hurt just to try it right. Yeah, maybe you're right, it might. Downtown where the crime is right, the time is right to bust this dynamite. Oh, when you come to harder, you fall. So come harder, don't come at all. I leave you, so I'll leave you all. Leave you in pieces 3 feet tall. Yeah. Let's go, we can have it all. Yeah, baby, we can have it all. Ain't it fun when the blood starts flowing and the parts start flying and your heart starts going? Come with it, bitch, come with it. Take your best shot and try to finish it. Don't blow it, cause I will kill you before you know it. Come with it, bitch, come with it, bitch. Take your best shot and try to finish it. Don't blow it, cause I will kill you before you know it. Fight the power.
was that be? Gotta get this, reckless, gotta check this when I wreck it. Think before you get in the way, ain't no exception, sure you can lay. Infectious, yet the freshest and I'm restless. Check this, what you mess with is a death wish. Best get ready cause you can't stop mind chains. Or stop sign on your back blind side. Walk like a tank, hit like a tank. Now far away, put the money to the bank. Crush, kill, destroy opponent. I'm a survivor, only component. Zoning, gotta make it to the next moaning. Roaming, seeing who I'm gonna hit, honing. Pinpoint accurate, laser aim in the system, but I ain't playing your game. Down at the same time, be damned if I lose and they try to take mine. Gotta get cash, feel deep on arrival. I will take the spot in your title. Rifle, blast ya, strike like asthma. Give me my space, yeah. Fight cause I have to, so I'ma stash ya. If you wanna chase, yeah, I won't leave a trace, yeah. S to the U to the R to the V to the I to the V to the A to the L. Defense. Sure you can lay. Infectious, yet the freshest and I'm restless. Check this, what you mess with is a death wish. Best get ready cause you can't stop mind chains. Or stop sign on your back blind side. Walk like a tank, hit like a tank. Now far away, put the money to the bank. Crush, kill, destroy opponent. I'm a survivor, only component. Zoning, gotta make it to the next moaning. Roaming, seeing who I'm gonna hit, honing. Pinpoint accurate, laser aim in the system, but I ain't playing your game. S to the U to the R to the V to the I to the V to the A to the L. Defense.
Bon, alors, Lost Planet, Extreme Condition, c'est un jeu qui se passe sur une planète inconnue, hein. Donc, dans le titre, quoi, Lost Planet, Extreme Condition, des conditions extrêmes. Bon, vous allez voir, on va se fight avec des gros monstres. Allez. Et ouais, parce que c'est aussi un jeu en ligne, hein. Parce que bon, il n'y a plus de serveur, donc finalement. Bon, hop, nouvelle partie en difficile. Vas-y ma gueule. It was TC minus 80. 80 years before the trial century. Humankind had abandoned the comfort of a familiar world in order to attempt life on EDN3. As emigration to the new world progressed, facilities were constructed to handle the growing population, and colonization appeared to be successful. Expansion of the colony, humanity encountered a new alien life form, known as the Acrid. They were immediately identified as a hostile presence. The humans had no weapons with which to repel Acrid aggression, and were forced to retreat from their new home. Gotta hold them off! We'll do what we can! While fleeing from the enigmatic menace, the humans discovered the precious thermal energy lying within the very bodies of the Acrid. It was a powerful new energy source. Suddenly, humankind was determined to fight. Charge! You want some of this? Developed a weapon capable of fighting back against the Acrid Scourge, the Vital Suit, or VS. With VS technology, humanity has returned to EDN3, and the Great Colonization Experiment has resumed. Sorry I was late. Better late than never. Platoon A has encountered hostiles. Platoon B, what's your situation? Nothing here yet. Proceeding to the rock.
Understood. I'll see you there. What the? Dad! Fall back. This is no time to be a hero. Understood. Years have passed since the second colonization. The VS has given humanity a means to battle the Acrid. But outside of direct combat with the monstrosities, there is no known method of harvesting the precious thermal energy. Ah, c'est ah oui. Follow me. Là. J'ai... Allez, pas top. Ça pète, hein? Non. Ah, directement, quoi. Ah, y a pas de... Noté. Oh, le 2 était quand même très très fun, hein. Avec le gravement, on pouvait s'afficher n'importe où. J'allais me plier en énergie sinon. Ah non, alors. Sweet, sweet energy. Oula, hey. Hey, pas de blague. Un boss dans Devil May Cry 4 là. Wayne ! Oui, c'est le second qui se passe dans un monde tempéré. On a le niveau 1 qui est dans le monde de neige, mais après c'est une zone tropicale. Oh. Oh. Ok. Ah.
par là. Allez. Allons plus vite. Ah ouais, mais c'est le pur du Japon. Un produit d'exportation. Allez. Oula. C'est quand même joli pour l'époque, hein, faut avouer. C'est clair, c'est assez grand quand même. Évidemment, je vous fais tourner à fond. Hein. Allez hop, c'est parti pour la castagne. Alors, vol stationnaire. Allez. Waouh, 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 waouh. Hey, on se calme. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un combo. Ah oui. J'ai eu très mal. Ah, j'ai trouvé le point faible. Ouais, Fox. Non. The intruders in the dome have encountered the Green Eye. Would you like us to investigate? Yes, just in case. But take your time. Understood. You should have played alone. You had your chance. Now you will die like dogs. Ça a l'air d'aller sur la neige là. C'est mon plus ma plus grosse peur que ça. Ça explose un petit peu mais non là ça va. You're full of surprises. That device on your arm is absorbing the thermal energy for use in your body. All done. Yuri, can I come in now? The thermal energy and your arm will be our little secret. It's complicated. Come in! Welcome back. Huh?
Who are you? Me? I'm Yuri. That's Luca and Rick. Do you remember your name? Wayne. Excellent. You know, you were frozen inside your VS when we found you. Green Eye. Green Eye? The acrid that killed my father. Do you remember anything else? No. Nothing. It might just be temporary amnesia. You should rest. Job's done. Thanks. How's it going? How's what going? Well, you seem to be feeling a lot better. And it looks like you're starting to get used to life here. I don't know about that. Come on inside. I'll fix you something to warm you up. Isn't there some way around? I've tried everything. There's no other way. We can't avoid the acrid if we want to reach our destination. If only one of us could pilot a VS. I can. What? Huh? You can? I remember how to pilot one. We need your help, Wayne. We could use an able pilot. We are trying to eradicate the acrid from this world, one hive at a time. The Green Eye that killed your father is one of them. We're looking into finding that one, but in the meantime, we could really use your skill. All right. Show me to the first hive. We do know of one in the vicinity, but are you sure you're up to this? Quite. All right. I'll give you the details. Wayne, you should be able to use that VS. At least it beats walking. Ah oui, d'accord, 92. Ready. Initializing. Il a tout oublié, mec. C'est ça le principe. Ah, mais ça, c'est le niveau de la démo, ça. Enfin, de la démo technique. Hop là. Allez. Et là, théoriquement, si je ne bourre pas, si c'est effectivement comme dans la démo, il va y avoir un gros gros monstre. Ah, il y a déjà un petit monstre. Allez. Ah d'accord. Faut pas entrer avec le VS. Ok. Make sure to use your light in the dark. Non. Non plus.
Merde. Ah. Ah oui, d'accord. Un fusil à pompe qui a... C'est pas mal. Aïe. Sans la mer, hein. C'est puissant, dis donc, hein. Aller ramasser les armes. Ouh. Cancel. C'est ridicule. Ouais. Ah ouais, je préfère le grappin du 2 quand même, hein. Aïe. C'est pas mal. Allez. Là on arrive au poste. Equipment like weapons or even a VS might be buried underneath the snow. Lance roquette. Sérieux. Ah ouais, ouais, ouais. La couille.